bonjour, j'aime vraiment, vraiment pas faire les introductions. Voici un nouvel épisode de podcast créatif sur le tricot. Je m'appelle Lysandre et je reviens après presque 2 mois d'absence parce qu'il s'est passé plein de trucs et que voilà, je n'avais pas forcément prévu de tourner aujourd'hui, donc j'ai pris des notes un peu à l'arrache et on va faire ce qu'on peut et ça fait longtemps et j'ai plus l'habitude. J'ai déjà un souci avec mes cheveux. Bref. Que dire de plus? Oui, le dernier podcast c'était avec ma petite sœur Titoux, Théoxane, et on s'est énormément amusé pendant qu'on a fait cet épisode de podcast. Et après j'ai commencé mon nouveau boulot et c'est cool. Et puis après il y a eu les vacances et puis après j'ai repris le boulot et en fait tout s'est enchaîné et j'ai pas eu le temps de venir vous voir, mais du coup j'ai quelques trucs à vous montrer, sachant que le premier mois où j'ai repris le travail je n'ai presque pas tricoté pendant un mois. Et ouais, donc voilà, j'ai 4 projets finis, 6 projets en cours, plein de trucs à dire, montrer, machin. L'épisode risque d'être long, mais je sais que certaines d'entre vous aiment que ça soit long, donc enjoy. On y va? C'est parti. Le premier projet dont je vais vous parler est un projet qui avait déjà été commencé avant. Il s'agit du sorbet cardigan. Je vous le montre. J'ai fini mon gilet, le sorbet cardigan. Hop. Donc, je l'ai tricoté pour moi. Je l'ai tricoté en taille S pour un tour de poitrine de 102 cm parce que je ne le voulais pas trop large non plus. Il se tricote toute la partie des côtes en aiguille 3,5 et pour le corps en 4. J'avais fait un échantillon et c'était ok. D'ailleurs, où est-ce que je l'ai mis dans mon cahier? Là. Donc l'échantillon, j'avais fait ça et il était ok. Je vous parle des laines après. Bon, non, je vais le faire maintenant. Pour les laines, j'ai utilisé mes restes de laine qui sont dans mon sac. J'ai utilisé 4 pelotes de Kit Silk parce qu'il faut savoir que c'est un gilet qu'on tricote avec 2 brins de mohair en même temps. Donc, j'ai utilisé 4 pelotes de Kit Silk blanche. Et après, j'ai utilisé des pelotes qu'on m'a offertes pour l'anniversaire l'année dernière. C'est belle-maman qui m'avait offert des pelotes l'année dernière. Et elle m'avait offert 2 pelotes de bleu, 2 pelotes de bleu vert et 2 pelotes de rose. Donc ça, c'est déjà tout ce qui me reste. Des laines de chez Sostrengren, celle-là. Les Mohair Blend. J'ai tout écrit sur la page Ravelry pour ceux qui veulent retrouver les couleurs. Donc, il m'en reste encore plein. Donc en fait, j'avais reçu ces 3 couleurs-là, je savais pas trop quoi en faire. Et au final, je me suis dit que mis avec du blanc dans le gilet, ça serait tip-top. Donc le gilet, normalement, il a des rayures, mais pas comme ça. Moi, j'ai voulu faire une base blanche et rajouter les rayures de couleur. Et donc, j'ai fait des rayures de 20 rangs d'une couleur, 20 rangs de blanc, 20 rangs d'une couleur, 20 rangs de blanc. Donc voilà. Au niveau de la construction, on commence par les côtes directement du haut là. Après, c'est un raglan en aller-retour, un raglan, voilà. Après, on sépare pour les manches, on continue. Je me suis arrêtée plus tôt que prévu parce que mon souci était que j'avais déjà passé mes 3 couleurs, que je voulais pas repasser une 3e couleur. Vu que je voulais mes côtes en blanc, donc ça aurait été super long. Donc il s'arrête un petit peu plus haut, mais j'ai fait quelques rangs en blanc avant d'entamer les côtes. Après, j'ai fait les manches, et là dans les manches, une fois mes 3 couleurs passées, j'ai repris la couleur principale. Je savais pas si j'aurais assez de laine, mais au final,
j'ai beaucoup trop de laine. Et donc, on reprend, on fait les manches, on fait des diminutions en bas des manches et on fait des côtes. Et ouais, c'est les mêmes de chaque côté. Les rabattages, j'avoue que avec le mohair, je ne me suis pas embêtée. J'ai fait les rabattages classiques. Je tricote, je passe au-dessus, je tricote, je passe au-dessus. Et vous avez dû remarquer qu'il manque les boutons. Alors, les boutons, je les ai achetés. Je les ai achetés avec ma grand-mère à déco d'intérieur, maison d'intérieur. Un endroit où il y a plein de trucs différents. Et il est vendu pour vraiment pas très cher, vu que la boîte de 6 ou de 8 vaut 91 centimes. Donc, c'est des boutons en plastique. Comme ça, là. Et pourquoi en plastique? Parce qu'ils sont ultra légers. Et comme c'est un pull, du coup, que en mohair, il est super léger. Et je voulais pas que ça fasse tomber la patte de boutonnage. Donc, en gros, ça va donner un truc de ce style-là, quoi. Merdouille. Ah! Donc, il y en aura plusieurs. Je sais plus combien il y en a. J'avoue que j'ai, une fois terminé, bloqué, j'ai eu la flemme de les mettre. Mais en plus, il y en a pas mal. Tu vois un peu le nombre de trous qu'il y a là. Du coup, voilà. Est-ce que je vous ai tout raconté sur ça? Oui. Je l'avais commencé le 30 mai. Je l'ai terminé le 2 septembre. Bon. Il m'a fallu quoi? Ouais, 3 mois pour le tricoter. Je vais revenir sur les laines. La Drops, le mohair de Drops, je sais que il y en a qui le craignent, qui trouvent qu'il pique. Moi, il ne me pique pas du tout. Et concernant le mohair de chez Sostrengren, je trouve qu'il est... Comment dire? Il gratte plus que le mohair de Drops. Donc déjà, si le mohair de Drops vous gratte, celui-là, il gratte encore plus. Ce gilet n'est pas doux. Il est léger, il est portable. Il gratouille un peu, mais il n'est pas doux. Mais voilà, portable. Et j'aime beaucoup le mettre. J'ai une petite jupe bleu électrique qui va avec. Et c'est quand même super sympa. Dès qu'il fait un peu frais, on le prend. Il est vraiment, vraiment cool. Donc, je conseille. J'avais trouvé ce patron grâce à Picnic Agathe. Agathe Picnic, je sais plus le pseudo. Et en fait, je trouvais que c'était une trop bonne idée de faire un gilet à rayures en mohair. Et pour les autres versions, je peux vous en montrer deux que j'ai vues. Il y en a une qui est dans les couleurs céladon, rose pâle, donc tout à fait neutre, qui est fait par Len Aram. Super, super canon. Et une autre version dans les tons jaune-bleu, fait par Oroguro. Je vous mets les photos. Et je vous laisse aller voir. C'est un peu long à faire parce que c'est quand même du double mohair. Mais c'est super cool à porter et le fait qu'il y ait les rayures, ça rythme énormément le tricot. Donc ça, c'était le premier objet terminé. Hop, on retire le post-it. Celui d'après, je ne l'ai pas avec moi, mais je vais vous en parler parce que j'ai fait quelques photos avant de l'offrir. Il s'agit du Seaside Set de Petite Knit. Donc en fait c'est un set. Et moi, j'ai décidé de faire que la partie marinière pour la petite Chloé. Et je l'ai tricoté dans la plus grande taille qui était du 9-12 mois. Les aiguilles utilisées, c'est celles recommandées du patron. Donc les aiguilles 2,5 et les aiguilles 3. J'avais fait le petit échantillon, donc je peux vous montrer. Donc c'était une marinière qui était écrue et turquoise. Et les laines, j'ai utilisé une pelote d'alpaca turquoise. Je crois qu'il y a des restes, mais je ne les ai pas sortis. Et deux pelotes de flora naturelle.
Donc je vais vous mettre une petite photo de l'ouvrage terminé. D'ailleurs, je crois que ça va être la photo de la vignette. Donc voilà. Et j'ai utilisé aussi des boutons en résine imitation corne de chez Sostrengren que j'avais acheté avant. Oui, alors capillairement, cet épisode ça va pas du tout. Et qu'est-ce que je peux vous dire sur ce patron? Donc c'est un patron... Ouh, ça glisse! C'est un patron qui se commence du col. Et sur un des raglans, on va faire la pâte de boutonnage. Donc on va faire des allers-retours. Donc on fait ça jusqu'à la fin de la pâte de boutonnage. Après on continue un petit peu le raglan et on commence les rayures. Deux trucs. Premier truc, mon col sur la marinière, je ne sais pas ce que j'ai fichu, il était trop serré, donc au blocage j'ai tiré et... comme j'ai pu. Donc ça, premier truc, si vous le faites, faut faire attention parce que le col est vraiment très serré. Mathieu, mon copain Mathieu, on l'avait fait en même temps et lui aussi sur sa version, le col est très très serré. Ensuite, je sais pas ce qu'a fait Lily, mais il y a eu un petit souci. Techniquement, j'étais censée avoir une pâte de boutonnage avec 4 boutons. Et voilà, il y en a 3. Je me suis plantée, je sais pas où. En tout cas, il n'y a plus que 3 boutons au lieu de 4. Voilà. Il faut savoir que en 3, c'était un petit peu long. Encore, c'était une taille enfant, mais j'ai trouvé ça un peu long. Après, il y a eu les rayures, donc ça rythme un peu plus le truc. Mais j'ai trouvé ça long. De toute manière, en ce moment, tout ce qui n'est pas pour moi, je trouve ça long et un peu relou à faire. Donc, on va basculer dans le côté tricot égoïste de la force. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est tout. Donc, si vous voulez, je vous montre sur mon calepin. Ça donne ça. Donc... hop, mes deux soucis étaient à ces endroits-là. Et pareil, j'ai fait un rabattage classique. Je tricote, je passe au-dessus. Je tricote, je passe au-dessus. Parce que j'avais la flemme. En tout cas, il a été offert. Je crois qu'il est un peu trop grand pour la choupette pour le moment. Mais trop canon. Voilà, voilà. Donc ça, c'était le deuxième projet terminé. Le troisième. Tiens-toi bien. Parce que là, j'ai mis une ambiance de rose, mais là, ça va décoller. D'ailleurs, il s'agit ici, je porte mon Love Note, tu as reconnu, de Tin Can Knits, que j'ai tricoté en Mondim de Retrosaria Rosa Pomar. Mondim que tu peux retrouver chez Lanae, avec de la lace que tu peux retrouver chez Lanae aussi. Bref, si tu veux un pull... pas très cher, qui va super vite, fais-le. Ce qu'il faut pour ma taille, donc pour du M, et encore il est assez large, moi je suis comme ça, et là il va là. Pour ma taille, il me fallait 2 pelotes de Mondim, donc ça fait 20 balles de fingering. Il m'a fallu 2 ou 3 pelotes de lace, enfin bref, c'était pas très cher. La lace est tellement douce que elle atténue énormément le côté rustique de la Mondim. Voilà, si tu sais pas quoi faire, c'est trop cadré, c'est trop beau. Voilà, bref, d'ailleurs, après j'arrête, mais d'ailleurs, c'est un patron tellement facile à faire que c'est celui que j'ai fait pour ma copine Hélène pour son anniversaire, parce que en aiguille de 6, ça va super vite. Je ferme la parenthèse, je passe du coup au troisième ouvrage terminé. Non! Je ne passe pas au troisième... C'est n'importe quoi. Je ne passe pas au troisième ouvrage terminé. Je vous parle juste sur la marinière dont je vous parlais juste avant. Quelques versions que j'ai trouvées qui sont ultra sympas. Il y a une version beige et blanche de Only Aurora. Et elle, elle a fait tout le set. Donc c'est-à-dire aussi avec le pantalon et le béguin, béret, bonnet, truc sur la tête. Et il est super, super neutre. Mais bref, super beau, trop mignon. Et j'ai trouvé une autre version aussi blanc et cru et rouge brique. Et c'est vraiment super, super sympa aussi.
T'as vu le teasing de fou que je fais sur le prochain projet? Alors que Lily, t'as un peu une boulouse parce que le projet, il est sur la vignette de normalement l'épisode, donc tout le monde l'aura vu. Donc il s'agit, il est trop beau, de mon Ingrid sweater. Là, t'as la bonne couleur. De mon Ingrid sweater de petite knit. Au cas où t'aurais pas remarqué, moi, on est très couleur par ici. Donc attends, bouge pas, je retire celui-là et on parle de cette beauté. Et voilà! Et il est trop trop beau. Pour la petite anecdote, ce matin je suis allée sur le marché, tôt, parce que je me suis réveillée tôt. Et il faisait un peu froid à Grenoble. En fait, j'y suis allée tôt parce que j'avais des trucs à faire, mais surtout parce que comme ça, je pouvais porter mon pull au marché, sachant que je ne l'ai jamais porté encore en dehors de la maison. Donc, je vais sur le marché. Alors, je prends mes petits légumes. Et là, il y a une petite mamie qui vient me voir et qui me caresse l'épaule. Bonjour madame, je peux vous aider? Ah. Votre pull, il est magnifique. Alors là, tu dis ça, évidemment, toi, c'est moi qui l'ai fait. Et la petite mamie, elle me dit, bah oui, je sais. Comment ça? Non, mais moi, je tricote. Ça se repère tout de suite, un pull fait main. Et, oh là là. Et elle m'a, ouais, brossé dans le sens du poil, où tu dis à une tricoteuse qui est trop fière de son pull, que son pull est trop beau et qu'elle t'a capté de loin. Puis elle est là, oh, c'est doux. Bref, voilà. Donc, c'est mon nouveau pull chouchou. Et qui a fait sensation au marché ce matin. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Il s'agit du pull Ingrid Sweater que l'une d'entre vous m'avait gentiment offert le patron. Évidemment, je ne me souviens pas de ton prénom parce que Lysandre a eu la bonne idée de faire le tri dans ses emails et de tout supprimer. Et donc, j'avais heureusement téléchargé le patron avant parce que. Je ne sais plus comment tu t'appelles. Je suis désolée. En tout cas, si tu passes par là, merci beaucoup. Et regarde, je l'ai fait. Donc, le Ingrid Sweater de petite knit tricoté pour moi. Dans la taille M. Donc, c'est-à-dire la taille 100, 116 cm de tour de poitrine. Donc, avec une légence positive, dans mon cas, de 22. Bah, 22 cm, je pense qu'il y a clairement plus. Je t'explique après pourquoi. Que j'ai fait en 2 semaines. Parce que c'est trop cool. En gros, pour la petite histoire. Ouais, je te le fais comme ça. On a le temps. Pour la petite histoire, j'ai à Pâques. Je suis allée passer Pâques chez mes grands-parents. Et ma mamie, pour Pâques, m'a dit, écoute, Lily, ça me ferait super plaisir de t'offrir de la laine. D'abord, d'ailleurs, des bisous à ma mamie si elle passe là. Et on a regardé ensemble sur internet quelle laine je pouvais prendre, tatati, tatata. Et j'avais envie d'un vert. Voilà, d'un beau, beau vert. Et on a trouvé ce très beau vert chez. Je crois que c'est Lil Weasel où on a commandé. Et donc j'ai pris de la Arruetta et de la Tilia de chez Phil Colonna. Et le coloris. C'est le coloris. Juicy Green, je crois. Là, il y a que les numéros. Bref, c'est écrit sur Ravelry. Et donc, j'avais ça dans mon stock. Et depuis, je les ai commandés. Mamie me disait, ah, mais Lysandre, tu tricotes pas la laine qu'on a achetée ensemble, tu tricotes pas la laine. Et je savais pas trop comment lui dire que la laine était magnifique, la laine est magnifique. Mais c'est pas grave si je le tricote pas tout de suite. J'ai tellement de stache en bas là où ça fait super longtemps que je les ai et que je les tricote pas, mais ça m'apporte quand même beaucoup de bonheur. Bref, je voyais que ça, je sais pas, que mamie voulait que je les tricote. Donc il a fallu que je réfléchisse, qu'est-ce que je vais faire avec cette laine là, qu'est-ce que je vais faire avec cette laine là. Et quand je suis rentrée de vacances de Bourgogne, super vacances, 2 semaines dans la famille de chez mon chéri où on a chopé le Covid. Bref. On est rentré de vacances, j'étais bien contente de rentrer chez moi, de retrouver tout mon stage et je me suis dit, allez, go, aujourd'hui, je castagne quelque chose. Et du coup,
J'ai voulu castonner mes pelotes vertes offertes avec mamie. Et je me suis dit, ouais, quand même, le Hengrid sweater, il est chargé. Est-ce que le faire en vert? Puis je me suis dit, allez, hop, YOLO, on y va. Pas d'échantillon, parce que je crois qu'en plus, j'avais même pas les bonnes... pas les fils recommandés. On l'a fait, allez, go. On verra. Au pire, il est trop petit. Au pire, il est trop grand. Go, on y va, trop envie. Donc, c'est comme ça qu'a commencé cette merveilleuse histoire d'amour avec mon Hengrid de sweater. Donc, il est constitué de 6 pelotes de Arweta, 6 pelotes de Tilia. J'avais un reste que j'ai offert à maman. Donc, je pourrais pas vous montrer. Mais de toute manière, voilà, c'est cette couleur-là. Il est ultra, ultra canon. Attends, je vais essayer de me lever. Hop. Je te mettrai ouais, des photos. Il est quand même assez large, tu vois. Moi, je suis hop, comme ça. C'est un pull doudou où même les manches sont... Enfin, ça fait pas... Même les manches sont assez larges. Donc voilà, ça, c'est le patron. Et au niveau de la construction. Alors, on commence du dos. C'est franchement un pull génial et oufissime à faire. Parce que tu ne t'ennuies absolument jamais. Ouais, dans la déco, maintenant, on a un ordinateur. Parce que chérie empiète mon espace de tournage. Et de toute manière, c'est n'importe quoi, je suis désolée. Et de toute manière, c'est la dernière fois que vous voyez cette magnifique déco. Car on va déménager la semaine prochaine. Voilà. Bref, on commence par monter... des mailles pour faire toute la ligne. Au début, il faut savoir qu'on coupe souvent le fil et on le reprend souvent. Donc ça fait pas mal de fil à rentrer. On fait des allers-retours avec ce magnifique point de riz. Ensuite, on continue à lire la charme. Donc ça, c'est des mailles ouvertes, des jetées, des torsades. On continue jusque là. Ici, on s'arrête. On reprend les mailles du dessus en faisant des jeux. Oh, regardez comme c'est quand même super beau. En faisant des allers-retours en point de riz. On reprend là. Ici, on s'arrête. On refait exactement pareil de l'autre côté. Enfin, voilà. De l'autre côté. Sachant que regardez la ligne d'épaule. Enfin, bref. C'est beau. C'est vraiment très, très beau. On s'arrête. On reprend ici. On continue, on continue, on continue. Hop, on s'arrête, on rejoint tout en rond, hop, et on décale, et on y va. Celle-là, c'est la partie vraiment la plus longue et relou. Mais ça se fait quand même super vite. On continue, on continue, on continue, hop, et on finit par des côtes classiques en bas. Et moi, j'ai fait un joli rabattage à l'italienne. Une fois que ça c'est fait, c'est parti pour les manches. Donc les manches, on reprend là, hop, on reprend ici, on fait des rangs en vert, des jetés, des rangs en vert. Et là, il se passe un truc de dingue, c'est qu'elle a prévu que ça soit bien droit ici aussi, sur la manche. Normalement, je crois que comme ça, pour que ça soit parfait en face, mais moi ça ne l'est pas. Et en gros, on va faire un jeu d'aller-retour avec les côtes pour en fait... qu'ici ça soit beaucoup plus grand que ici, tu vois, ça fait une bague et je trouve ça super beau comme ça. Après, les limites, les changements de motifs sont droits sur la manche. Alors ce verre, il est trop canon, c'est exactement ce verre là donc la manche aussi est super super cool à faire. Mais j'ai fait quelques petites coquilles, notamment dans le sens où on doit croiser sur une manche. Et après, je me suis plantée, voilà, ici. J'ai fait, ça c'est ce qu'il faut faire, donc c'est-à-dire des rangs verts, des jetés et commencer les côtes. Sauf que ici, j'ai fait des rangs verts, des jetés, je refais des rangs verts avant de commencer les côtes. Enfin, je vais tous les mettre les deux à côté.
Donc tu vois que je me suis plantée ici là. Hop. Et après, quand on passe des côtes 2-2 aux côtes 1-1, il faut faire une session de jetée. Et en fait, je n'ai pas commencé sur les jetées maille en droit, maille en vert, pareil que de l'autre côté. Donc ça fait une petite différence là entre ici et ici. Mais je t'avoue que j'avais la flemme de tout les faire. Donc on voit le bout des deux manches est un peu différent. Et après j'ai fait un très beau rabat. Attends, hop. Un très beau rabat à l'italienne aussi. Donc voilà, les manches sont différentes, mais je t'avoue que ça ne me dérange pas plus que ça. Et une fois qu'on a fini les manches, on reprend le col. Donc le col, on reprend tout là. On fait des côtes de 2, encore un jeu de jeter de mailles ensemble, des côtes 1-1 et on s'arrête. Moi, je crois que je l'ai arrêté, je crois, 1 cm avant. Parce que je voulais pas que ça remonte trop. Et j'ai vu qu'il y en a qui font le col double, comme ça là. Ce qui est super sympa aussi, mais moi je voulais vraiment avoir chaud. Donc j'ai fait tel quel. Voilà. Il est trop bien. Il est ultra doux. Il est super beau. Et là je le mets avec un jean noir et c'est ultra canon. Voilà, donc ça c'est mon troisième projet terminé, donc en 2 semaines. Et il a été génial à faire. Ouh, pardon. Il a été génial à faire et je planifie de faire le même à ma filleule en bleu clair pour qu'on soit binôme de pull Ingrid Sweater. Voilà, je nage un peu dedans, parce que regarde, maintenant je suis là. Mais on est trop bien dedans. Et voilà! Le quatrième objet terminé, ouvrage, pardon, terminé. Il s'agit du top Serkis de Marie-Amélie Design. Il me semble que je vous en avais parlé la dernière fois déjà. Bref. Donc le top Serkis, je cherche... Où est-ce que j'en parle dans mon cahier? Là. Hop là. Donc ça, c'était le petit échantillon. Je sais pas si j'avais montré la dernière fois. Donc le top Serkis que j'ai tricoté en un mois et demi, que j'ai tricoté pour moi, la taille 3, donc c'est-à-dire 105 cm de tour de buste, en aiguille 3,5 et 3,25. Donc l'échantillon est là, mais c'est juste pour faire beau dans mon calepin parce que je n'ai absolument pas mesuré l'échantillon. Et j'avais acheté chez Lanae le coton de chez Camarose. Je te mets une photo parce que je sais pas le nom. C'est sur Ravelry. Un coton d'une douceur et d'un tombé, mais à couper le souple. Le souffle. Et ultra canon. Alors, j'enfile la beauté et je reviens. Voilà. Donc voici mon top Serkis de Marie-Amélie Design. Un top devant, un top devant en maille en droit, derrière en maille en droit et sur les manches ainsi que sur les côtés, une bande de dentelle. Je peux me lever un peu plus. Hop et là, avec des côtes sur le bas. Concernant ce top, j'avais acheté du coup du coton à l'année sans vraiment savoir quoi faire avec. Et après avoir fait mes deux autres tops d'été, j'avais vraiment envie d'un top mais travail compatible. C'est-à-dire que ceux que j'ai fait, je les trouvais qu'ils étaient trop décolletés devant et trop décolletés derrière pour pouvoir les mettre au travail. Donc c'était pas trop compatible avec mon boulot tous les jours.
J'aurais pas été à l'aise de mettre un décolleté comme ça. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, voilà. Et donc, je voulais un top vraiment moins décolleté, mais qui tienne pas forcément chaud non plus. Et donc, je suis allée regarder les tops de Marie-Amélie Design, sachant que je n'ai jamais tricoté des patrons de Marie-Amélie Design. Et je vous avoue que le fait qu'actuellement, il soit gratuit m'a fortement aidée à choisir. Donc, j'ai pris le top Serkis. Ouais, construction. On commence par faire les côtes. Donc, on fait des côtes. Je ne sais pas si c'était des côtes torse ou pas qu'il fallait. En tout cas, moi, j'ai fait des côtes torse. Et là, j'ai eu un souci de base. Parce que le nombre de mailles pour le devant et le nombre de mailles pour la partie derrière en jersey n'était pas identique. Alors déjà là, j'ai eu un peu de mal. Mais le patron est parfait. Je pense que tu dois juste fermer tes yeux et te dire « Allez, on y va !» Parce qu'en fait, elle prend en compte le fait qu'on fait des allers-retours que tu ne fais pas derrière. Donc en gros, tout se remet bien. Et on voit... les allers-retours ici pour creuser l'encolure et que ça tombe super bien. Concernant la construction, c'est un raglan. Ce que j'aime beaucoup, c'est avoir l'impression d'être raglan sweat. Et donc avoir, comme quand tu prends des sweatshirts dans le commerce, où des fois les manches sont d'une couleur différente, et bien là les manches sont en dentelle d'une construction différente. Donc la dentelle est ultra, ultra simple à faire. Je la trouve très, très, très belle. Mais c'est une dentelle où je n'ai pas l'impression d'avoir les bras nus. Et à tel point que... À tel point que ici, j'ai pas l'impression qu'on voit trop ce qu'il y a en dessous. Mon soutien-gorge, tout ça, on voit absolument rien. Après, voilà, il est couleur chair, donc on ne voit pas forcément. Mais comme c'est ample et que c'est pas contre la peau, on ne voit pas du tout le soutien-gorge non plus. Un petit point négatif. Et que le marqueur de début de rang que j'avais mis le début de rang se fait devant. Et mon marqueur était trop épais. Et donc, j'ai l'impression qu'on voit un petit peu ici... mes mailles sont un peu plus grosses. Bref, je reprends. Donc on continue ici. Après c'est comme d'hab en fait, on sépare les manches. Ce que j'aime bien c'est que en fait la partie des manches, on conserve une partie de la dentelle pour la mettre en dessous. Donc c'est quand même assez sympa. On continue en faisant la partie la dentelle, la partie la jersey, on tourne. Moi, je voulais tourner jusqu'à la longueur voulue. Donc, assez long quand même parce que je voulais le mettre au travail. Et après, me disant ce qui reste, je sépare en deux et je ferai les manches jusqu'au bout de ma laine. De mon coton, pardon. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis allée jusqu'au bout, du bout. Il me reste absolument rien. Et c'est très bien. Ça fait des manches qui arrivent au coude, j'allais dire au genou. Oui, descendre. Le genou du bras. Parce que ça arrive jusqu'au genou du bras. Et il est super, super, super agréable. Pour celles qui ont la chance de me toucher, venez me toucher. C'est super, super doux. Un projet très addictif parce qu'il y a la dentelle, donc ça rythme un petit peu. Très simple. Donc voilà, la dentelle n'a rien de compliqué et je trouve qu'elle est quand même très très belle. Ça fait un petit t-shirt, un petit top pas trop décolleté, pas trop chaud parce que ça reste du coton, mais pas trop froid non plus parce que, bref. Moi, j'adore. Je le trouve trop bien. Je le porte tout le temps. Une couleur colorée, comme d'hab. Et voilà, donc je pense que c'est tout pour
mes ouvrages terminés. Ah oui, à savoir que j'ai fini de le tricoter pendant que j'avais le Covid, donc la tête dans le guidon. Et j'ai pas fait d'erreur dans la dentelle. Donc c'est que ça va. Il est assez bien expliqué et il est assez facile à faire. C'est parti pour les whips. Alors, ça c'était mes projets terminés. J'avoue que sur les projets terminés, il y a quand même trois trucs pour moi et un truc pas pour moi. Et je suis contente d'enfin faire des trucs pour moi. Dans les whips. Et bien alors, dans les whips, il y a plus de la moitié qui n'est pas pour moi. Alors, que je vous montre ça. J'ai continué mon Vertis United Shawl de Steven West que je fais avec Mathieu. Donc ça, c'est ma page. Et la dernière fois, je vous avais montré la section numéro 1, la section numéro 2. Et là, j'ai avancé en faisant la section numéro 3 et la section numéro 4. Alors, je vous montre. Hop là. La section... Enfin, je vous montre où j'en suis. Hop là. Et voilà. Il est gigantesque. Alors, la section numéro 1. Je vais prendre les laines en même temps de mon panier. La section numéro 1, c'était l'alpaga. Il me semble que c'est pétrole. Avec pas mal de nuances dedans, de drops. Que j'avais fait avec la Katia Concept Alpagina bleu aussi. Donc c'est deux alpagas. Le but est de faire vraiment un châle très très doux. Donc la section 1, c'était ces deux coloris là. La section 2, c'était l'alpaga blanc avec le reste de mon Trescao. Donc ça, c'est de la Madeleine et Philibert BFL coloris Drogheda, je ne sais toujours pas. Donc ça... C'était ma section 2, donc je vous montre. Section 1 ici, section 2 ici. Et après, il y a la section 3 qui est une grosse section en un coloris. Donc j'avais acheté une très belle laine de Felici Punto avec plein de nuances dedans. Et j'ai fait ma section 3 et regardez comme elle est jolie. Les nuances, elles sont à tomber. Dès que je vois Mathieu, que je lui parle de châle, je me dis, mais punaise, je vais pas l'offrir en fait. Je vais vraiment pas l'offrir. Je trouve qu'il est ultra, ultra beau. Donc voilà. Cette partie-là, en gros, on reprend entre les deux sections. Attends, là. Et là, on fait déjà les retours. Une fois qu'on a tout pris, hop, de ce côté-là, on commence à diminuer. On continue, on continue, on continue, on continue. Et une fois qu'on est arrivé au bout de la section 1, on continue pour aller former la pointe. Donc ça, c'est la section 3. Et la section 4, j'ai choisi de mettre un vert. Voilà, hop, c'est exactement ce vert-là. J'ai un peu de mal à... Une petite section univerte. Et j'ai choisi la... Hop. Cette laine-là. Elle rend pas très bien. Elle est un petit peu plus... Bon, un petit peu plus dans les jaunes. C'est pas très très grave. Et donc il s'agit de 50 grammes de laine à chaussettes de Virginie. Sur la rive côté laine. Et c'était son coloris rosemary, donc romarin. Et il m'en reste un petit peu. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, ça, c'est des laines à chaussettes et il m'en reste. Ça, c'est également de la laine à chaussettes et il m'en reste. Et donc, je vais pouvoir me faire une très belle paire de chaussettes avec ces deux couleurs-là que je trouve ultra canon et qui vont quand même super bien ensemble. Donc voilà, il me reste
du coup, deux sections à faire. Et l'énorme i-cord tout autour. Tiens, hop. Et en fait, en regardant celui de Mathieu et le mien, on s'est rendu compte que Mathieu qui tricote beaucoup plus serré et moi qui tricote beaucoup plus lâche, le mien, on a un peu l'impression qu'il fait pareo. Mais voilà, le but est d'avoir un beau châle grand. Hop, on pourra mettre comme ça. Hein. Tout chaud, tout beau. Enfin, il est vraiment ultra, ultra beau. Je vais l'offrir. Hein. Je jure que je vais l'offrir. Mais il va falloir que... Donc, c'est un châle que je fais pour l'anniversaire de la maman de mon chéri. Oh non, j'ai pas tombé ma petite carte. Hop. Que je fais pour la maman de mon chéri. Et voilà. Il faut qu'elle sache qu'il y a beaucoup d'amour et que je vais avoir beaucoup de mal à lui offrir parce que je le trouve juste sublime. Et donc, pour juste revenir, la prochaine section, ça va être celle-là que je vais faire pareil que ma section 2, c'est-à-dire avec l'alpaga blanche et mon reste de BFL de Madeleine et Philibert coloré Drogheba. Et la fin d'ici, je suis censée la faire avec juste le bleu clair. Donc, à voir. Et le contour, je sais pas encore avec quoi je vais le faire parce que j'ai peur de... Je sais pas si j'aurai assez de bleu foncé pour faire tout le tour autour avec. Je sais pas trop quelle couleur faire pour le contour. Sachant que j'aimerais garder mes deux laines à chaussettes pour me faire des chaussettes. Et sinon, ça voudrait dire faire contour avec du blanc. Mais je trouve ça quand même vachement salissant. Et je sais pas, j'aime pas trop. Ou alors faire le contour avec ce vert-là. Mais comme il me manque une section, je ne sais pas encore. Du coup, je sais pas. Du coup, ça sera la surprise. Je sais pas trop si on va le continuer bientôt. Moi, je sais qu'il doit être fini, en tout cas pour la fin octobre. Je sais pas trop si on va le continuer bientôt parce que Mathieu s'est mis à faire un mystérical. Je sais pas avec qui. Et que début octobre commence le Mystérical de Steven West. Ça, on en reparle parce que il y a mon combo là-bas, il faut que je vous le montre. Donc voilà, affaire à suivre. Il est ultra beau, je m'éclate. Il y a des restes, il n'y a pas des restes, il y a plein de trucs. C'est trop beau. Il est trop beau. J'essaye de remettre mes chaussons, mais je n'y arrive pas. Le deuxième projet que j'avance énormément actuellement, il s'agit encore d'un projet pas pour moi. Il s'agit du spot sweater numéro 2 que je tricote pour ma mamie. Donc je vais vous le montrer. La dernière fois, hop, il est là. La dernière fois, je m'étais arrêtée ici parce que j'étais un peu... embêté dans mes calculs pour séparer mes manches parce qu'il faut savoir que il est pas bloqué et que le mien je trouvais que les manches s'arrêtaient trop bas et du coup dès que je monte mes bras mon haut du corps remonte, moi ça me dérange pas mais je voulais vraiment qu'il n'ait pas la même forme pour ma vie. Donc j'en suis là. Il a bien avancé. J'en suis là. Et normalement, il me reste plus que blanc, une autre couleur et peut-être une autre couleur, les côtes. Et il est terminé pour le bas. Après, il faudra que je reprenne le haut et les manches pour mamie. Donc, je fais la taille entre S et M avec des aiguilles de 5 mm. Et il va falloir faire 3,5 pour le col et les côtes. J'ai pas fait d'échantillon parce que... voilà. Pourtant, j'aurais pu ne pas faire d'échantillon, sachant que je l'ai fait pour moi. Sauf que moi, le mien, je sais pas si tu te souviens, mais la base, elle était bleue. Et j'ai fait avec 3 fils de mohair et là, c'est pas du tout. Donc en fait, j'y vais vraiment à l'aveugle. Lisson, elle a un peu le goût du risque, tu verras... Le retour du tricot, il est un peu YOLO.
Et donc là, j'ai trois pelotes de Flora grise, hop, comme ça, qui sont des restes du magnolia que j'ai fait à ma soeur. Je te mets une photo. Et j'ai aussi des restes de que je double du coup avec les restes aussi du magnolia de Lace Long, sachant que j'ai au moins racheté une pelote pour être sûre d'avoir ce qu'il me faut. Et après, j'essaie de mettre exactement les mêmes couleurs que le mien à quelques nuances près. Qui est qu'il y a des couleurs que mamie n'aimait pas. Sur le mien, j'ai mis du beige et mamie n'aimait pas le beige. Donc j'ai remplacé le beige par du blanc, blanc, blanc. Et sur le mien, j'avais deux nuances de rose un peu vif et j'avais pas assez de laine. Donc moi, je les ai remplacées par du rouge pour celui de mamie. Donc en tout cas, il avance. Faudra que je fasse une photo des deux, l'un à côté de l'autre. Comme ça, tu verras qu'ils sont pareils, mais pas pareils. Il est ultra, ultra doux. Je suis super, super contente de l'intérieur de mon jacquard. Je vais essayer de te le montrer. Hop. Regarde. Même l'intérieur, il est trop beau. Hop là. Donc je dois continuer à chaque fois. Bah en fait c'est les mêmes laines, tout pareil que le mien. Donc ça je vais pas forcément faire une redite de dire quelle laine c'est, mais c'est des restes. Donc là des restes de Madeleine et Philibert, là Madeleine et Philibert, là sur la rive côté laine, et après des restes de pull. Je pense que je ferai une fiche complète sur Ravelry, mais pour le moment j'ai la flemme. Là c'est un mini qu'on m'avait offert, regarde là, hop. En plus je sais pas, non je sais pas si tu vois, mais il y a de la paillette. C'est du blanc à speckle rouge, il est vraiment très très beau. J'ose pas l'enfiler parce que j'ai mon bloqueur car mon câble est trop petit et je vais perdre des mailles. Donc celui-là, il avance, c'est suspense, suspense, je le trouve tellement beau. Une chance que ça soit pas mes couleurs, sinon celui-là aussi, je l'aurais gardé pour moi. Et le petit coup où je suis un petit peu deg, c'est que celui-là est clairement plus doux que le mien. Donc voilà. Et pour le col, moi j'avais fait un beau col retourné là. Et par contre, je vais faire pareil pour mamie, mais un col plus petit. Parce que mamie n'aime pas quand ça monte trop autour du cou. Donc, je lui ferai un col plus petit. Donc, voilà, son cadeau de Noël avance. Hop, je regarde là. Hop. Ouais, en plus, il est... Enfin, je suis contente parce que mon jacquard, tu vois, il est quand même... Il fait pas blocos, il respire, quoi. Regarde. Il est vraiment très, très beau. Donc ça, ça avance petit à petit. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que le jacquard, ça me manquait. Donc je le reprends. De toute manière, au niveau timing, je suis large. Mais j'ai vraiment envie de découler. Enfin, pas découler mes projets, mais vraiment envie de terminer pas mal de projets. Parce que comme on déménage, je me suis en fait rendu compte à quel point j'avais des trucs commencés, des sacs en cours de partout. Il y avait un bruit, désolé. Il y avait des sacs en cours de partout, donc il faut que je vide un petit peu tout ça. Ensuite, comme j'étais en train de vider mes... Je suis un peu emboulée aujourd'hui. Comme j'étais un peu en train de vider mes sacs, les laines, ce qui traîne sous le lit, ce qui traîne au fond d'un placard et tout, je suis retombée sur des pelotes que m'avait offertes... Elodie de Unknitting Journée, qui était trois pelotes de Andes blanche et il y avait également deux pelotes de Andes bleu marine. Et donc ça fait voilà quelques temps qu'elle me les a filées et je savais pas quoi faire ou et à un moment j'ai eu une idée parce que le but était d'utiliser tout et pas de racheter et tout. Au final, je suis en manque de laine, donc il va falloir que je rachète. Bref, et je suis tombée sur le Louisiana Sweater de Petite Knit, qui est un pull qui se tricote en aiguille 9, donc qui va vite.
Et qui... J'ai pas fait l'échantillon, hein. Moi j'y vais YOLO. Et ouais, voilà. Et je me suis dit, allez, go, on va voir ce que ça fait. Et le niveau, l'échantillon de la Andes avec le pull Louisiana de Petite Knit, normalement, ça matchait nickel. Et donc, comme j'avais pas assez de blanc, j'ai décidé de faire les côtes du col en bleu marine, le bas du col en bleu marine, et on fera les manches en blanc, blanc, et les côtes en bleu marine. Sauf que je suis tombée en panne de blanc, il me reste quasi pas de blanc. Comme je sais pas quand est-ce qu'elle avait commandé les blanches, et bah, je m'en suis gardée un peu pour faire le changement de couleur, pour pas que ça soit trop brutal si jamais j'ai une différence de bain. Et donc, j'ai fait le corps de mon Louisiana sweater. Je reviens, je le passe. Hop là. Et donc le corps de mon Louisiana sweater, qui voilà, manque des manches. Est-ce qu'on se rend compte que j'ai froid? Donc en ce moment, tous les pulls que j'ai pour cet hiver, ils ont des gros cols peut-être. Et un bon blocage va faire du bien parce que voilà, mon taille haute, il arrive là. Je pense qu'il va falloir que je l'étire un petit peu. Et voilà. J'arrive pas à faire assez de recul. Hop. Donc voilà, il lui manque des manches. Il est doux. Pas ultra doux, mais il est doux. Ça, là, j'ai rien en dessous, donc ça picote un petit peu, mais franchement, c'est correct. Alors, attendez, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? J'ai écrit quoi sur mon cahier? Mon cahier. Louisiana sweater. Je tricote actuellement la taille M pour moi. L'échantillon, je ne l'ai pas fait. Les côtes sont tricotées en 8 mm et le corps est tricoté en 9 mm. Il faut que je recommande, à mon avis, deux pelotes de blanche pour les manches parce qu'il me semble que les manches sont toutes droites sans diminution et après on fait des diminutions sur le poignet. Donc pour garantir le coup, je vais prendre à mon avis deux pelotes de blanche. Au niveau de la construction, on commence par un grand... Le cassagne, il est là. On commence par un grand tube de côte qu'on vient refermer. Hop. Pour faire le col qui est du coup double. Un gros col vraiment confortable. Moi, j'ai changé de couleur à ce moment-là. Et après, c'est un raglan. Hop. Tout ce qu'il y a de plus classique. On met les manches en attente. On continue. On s'arrête assez tôt pour commencer les côtes. Parce que dans le patron, en fait, les côtes sont... Il y a 8 cm de côte. Et comme moi, les côtes, en plus, changent de couleur, on voit bien qu'il y a des... Il y a des... Beaucoup de côtes. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne au blocage, la laine. Je fais un peu les choses à l'envers. J'attends de voir ce que la laine devient une fois que mon tricot est terminé. C'est pas grave. Et donc, je le trouve quand même super sympa. Il faut savoir que la Andes n'est pas très chère sur le site Kalidou là, de Drops. Et que c'est une très belle idée de... Voilà, ça va être les cadeaux de Noël. Moi, cette partie-là, je l'ai faite en 2 jours. 3 jours. Enfin, je suis bloquée parce que j'ai plus de... Parce que j'ai plus de laine, mais ça va ultra, ultra vite. Donc ça, c'est un en cours. Et j'espère vite le continuer. Je le retire. Et je reviens. Hop, et là. Et donc, c'est un pull... La laine est assez lourde. Mais je me dis que voilà, comme c'est pas un pull qui, au final, fait très très cher, je le mettrai tout le temps, je le traînerai partout. Voilà. Hop. On en est ici et j'en suis très contente. Et dans ce que m'avait donné Elodie, il y avait aussi 3 pelotes de Andes Rose. Donc je m'étais dit que j'allais faire également le même pull, mais avec que trois culottes. 3 pelotes.
avec trois pelotes, j'allais le faire pour le format enfant. Et ça tombe bien parce que ma petite nièce adore le rose. Nièce, filleule. Regarde dans mon beau sac, petite Nice. Petite Nice. Petite Nice. Allez, Lissandre, courage. C'est... On a bientôt fini. Et donc, j'ai commencé le Louisiana Sweater Junior pour ma petite filleule en me disant que comme je dois faire une commande de Andes pour l'autre vu qu'il m'en manque, je regarderai si avec les trois pelotes que j'ai, ça passe. Sinon, j'en profiterai pour commander en même temps. Et donc, le petit pull, ça donne ça. Alors oui, on n'a pas l'habitude de voir des mailles aussi grosses, hein. Ça fait bizarre, mais ça fait trop du bien que ça soit vite tricoté. Donc là, j'ai fini, ça gligne, désolé. J'ai fini la deuxième pelote et avec la troisième qui est ici, il faut que je finisse la manche et que je fasse l'autre. Donc ça, c'est l'objectif de cet après-midi, je pense, pour pouvoir savoir si on doit... si je dois racheter de la laine ou pas. J'ai un petit peu cafouillé sur les relevages de mailles en dessous. Donc j'ai laissé un grand fil quand j'ai repris pour pouvoir combler mes petits trous là parce que j'ai fait un petit peu n'importe quoi. La construction est exactement la même que le mien, sauf que le col est un peu plus petit. Normal, ils ont un cou un petit peu plus petit. Et donc, il est tout rose et moi je vais aller voir tout à l'heure à la mercerie si je trouve pas un petit écusson. J'ai dans l'idée soit de mettre un petit écusson comme c'est pour une petite fille, voilà, un petit cœur, une petite fleur ou un truc comme ça. Et si je trouve pas, je broderai quelque chose. Je broderai quelque chose dessus. Mais dans l'idéal, ça serait un écusson pour que... ouais, j'ai envie de ça. Donc voilà un petit pull pour ma filleule. Et d'ailleurs, le projet que je vais vous montrer après est aussi un pull pour ma filleule. Et il est là. Parce que je traînais sur Instagram, comme souvent, et je suis tombée sur des pull d'une designeuse qui fait des jacquards de folie. Et quand je suis rentrée chez moi sur le vélo pour rentrer, j'appelle maman, je dis maman, je veux faire un jacquard, je t'envoie la photo du jacquard, je pense que une pelote de chaque ça devrait aller, il me faut trois couleurs, est-ce que je peux te rappeler quand j'arrive chez moi pour qu'on choisisse ensemble les couleurs dans mes restes. Et donc, je vais vous parler déjà de quel patron il s'agit. Il s'agit du mini Zelda Crop de Olga, Putano, que je fais du coup pour Mélusine. Non, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous montrer les différentes versions à chaque fois que je parlais d'un patron. Donc en fait, ça sera déjà passé. Mais je vous inclurai juste les photos avec voilà, une petite musique des autres versions pour chaque patron dont je vous ai parlé que je trouve super sympa. Désolée de capter ça que maintenant. Bref, du coup, j'étais sur le Zelda Crop. Et donc, ce patron, pour moi... Les deux couleurs contrastantes passaient dans 50 grammes de laine et il me fallait au moins un écheveau pour 100 grammes de laine pour la couleur principale. Donc voilà, c'est une petite fille qui adore le rose, hein, comme le pull juste avant. Donc j'avais choisi comme coloris principal la laine à chaussettes de Katia Concept en alpaga, la rose que j'avais gagnée chez Lanaï. Un reste de Flora de Drops coloris améthyste qui est le reste de mon No Frill Sweater. Et le reste de Flora, il me restait une pelote blanche de Flora plutôt écrue
de la marinière pour enfants que je vous ai montré au début qui est terminée. Et donc je me suis dit, allez, on y va. Toujours YOLO, le retour du tricot, on fait pas d'échantillons, Lysandre, on fait nimp. Allez, on y va. Donc j'ai monté ce très joli... Hop, attends, l'aiguille est plantée là. Ce très joli pull jacquard en 2-2. Car en fait, je trouvais que ce jacquard était juste oufissime. Et donc, je fais la taille, je sais plus quelle taille, 2. Et en plus, elle donne que des tours de poitrine en inch. Donc toi, tu dois convertir en centimètres, te référer à une grille de vêtements pour savoir quel centimètre ça fait quelle taille pour l'enfant. Donc ça, j'ai trouvé kiff kiff qui n'est pas toutes les infos. Bref, normalement pour un enfant de 4-5 ans, c'est la taille 2. Et arrivé à tout le corps, j'ai bloqué, lavé et bloqué pour voilà, comme je sais que c'est un peu tendu, voir si ma petite choupette elle allait pouvoir passer là-dedans. Et je t'avoue que j'espère que oui. Sinon c'est pas grave, il y aura l'autre pull d'avant, mais je serai un petit peu dégueu. Et donc tout est là, bloqué, lavé, sauf les manches, et il me manque la deuxième manche. Au niveau de la construction, on commence par le col, et là c'est pareil, j'espère qu'elle passe sa tête, sinon je referai le col. C'est un peu nerveux. Hein. Y a des jeux de rang raccourci à l'arrière, tu vois, là, hop, et là, c'est beaucoup plus long pour creuser l'encolure. Et après, hop, on suit un diagramme. Tatati, tatata, tatata. On fait, on sépare les manches. On fait un petit peu de monocouleur et on reçut un diagramme. Là, je me suis plantée. Je crois que j'ai fait un diagramme de trop. Normalement, ça devrait faire ça. Donc, il y a beaucoup des petites gouttes là, des petites étoiles, un peu trop. Écoute, c'est pas grave. On refait presque le même diagramme que ça dans l'autre sens. On fait des côtes. Et ensuite, on fait les manches avec des diminutions. Et encore un petit peu de jacquard au bout. Hop. Voilà. Je trouve que c'est d'une beauté de dingue. Je me suis éclatée pour le jacquard. J'ai encore une manche à faire là. Ça fait beaucoup de manches pour terminer les pulls là. Et en plus, tout va passer dans ma laine. Donc déjà ça, c'est super cool. Je vais même avoir des restes. Et je pense clairement que je vais refaire ce pull pour deux enfants parce que je me suis totalement éclatée dans le jacquard. Je trouve que c'est trop, trop bien à faire. Donc peut-être qu'elle aura le droit à... l'année prochaine, la taille au-dessus avec d'autres couleurs. Et tu ne trouves pas que ça fait très couleur princesse Disney, réponse, non? Voilà. Donc moi, je me suis dit que techniquement, c'est parfait. Parce que ça rentre dans les critères d'une petite fille. Parce que des fois, tu te dis, un pull tricoté, s'il n'est pas porté, ça va te faire mal au cœur. Alors si c'est les... couleur parfaite pour que l'enfant ait envie de porter son pull, c'est trop bien. J'ai encore deux trucs à vous montrer. Oui, celui-là il va aller vite. Je suis en plein tube à chaussettes d'une laine Le Bruit des Aiguilles. Voilà, j'ai fait mes côtes torse, j'ai commencé mon tube avec la boulette. Et je vais aller jusqu'au bout de mon tube. Et après, je couperai pour faire les talons et je couperai pour faire les pointes. Donc juste ça, je voulais vous montrer que j'ai un très très beau tube. D'une douceur de dingue. Qui avance. Et ensuite, ouais, ce week-end, c'était l'anniversaire de l'année. Et je me suis offert ce joli petit pochon tricoton dans les bois.
ultra beau. Sachant que voilà, mon anniversaire c'est en septembre, c'est l'automne, j'adore l'automne et je trouvais que ce pochon qui résume tout ce que j'aime dans l'automne était quand même parfait. Donc je me suis offert ça. Alors attends, bouge pas. On prend un truc qui est là-bas. Hop là. Il faut savoir qu'à la fin du mois, là, il y a le Knit It et je suis sur le stand avec Virginie de Sur la Rive Côte Hélène. Et j'aimerais pour le Knit It sortir un patron avec Virginie ce jour-là, ce week-end-là. Qu'évidemment, je suis à la bourre, hein, sinon c'est pas drôle. Et donc, je voulais vous montrer le début de mon patron. En fait, c'est simple, c'est je reprends certains truc que j'avais déjà fait mais que j'avais pas sorti le patron, donc ça va aller très très vite. C'est pour ça que je ne m'en fais pas. Du coup, je vous montre, j'utilise du coup le coloris, il me semble que c'est Géranium de Virginie, donc Sur la Rive Côte Hélène, avec tellement de paillettes. Regardez-moi la quantité de paillettes qu'il y a là-dedans. Et donc, je vous présente, comme c'était le coloris Géranium, les chaussettes Géranium pas du tout finies. Donc voici les chaussettes Géranium. Hop, et le talon, il est comme ça. Est-ce que je peux vous montrer là-dessus? Voilà, la vraie. Hop, personne ne bouge. Je vais vous montrer les inspirations comme ça. Donc en fait, je voulais sortir déjà l'année dernière ce patron-là. J'avais commencé les tests et tout. Mais j'ai eu un petit problème avec le ruban parce que moi ça passe déjà difficilement sur ma cheville, mais chez les testeuses bah, ça passait pas non plus. Donc de base je devais déjà sortir ce patron-là et avec Virginie on a eu l'idée d'en fait de reprendre un peu la construction de cette chaussette, mais en faisant des côtes, mais en prenant des côtes, tu vois, un petit peu travaillées, vraiment très très sympa. Et donc c'est pour ça que je dis pas de panique pour la fin du mois parce que je sais exactement comment on fait, je sais plus qu'à l'écrire. Et donc j'ai continué. Ah, excuse-moi, là il y a le fil. Donc c'est des petits motifs qui, plus tu descends sur la chaussette, plus ils s'espacent. Et en même temps, tu crées un talon intégré. Je devais te montrer sur l'autre du coup. Un talon intégré, hop, que tu tricotes en même temps. Comme ça. Et après, hop, on va tout faire les diminutions ici et continuer la chaussette. Ce qui fait que ça donne une... Comme ça, cette partie-là est en côte. Ça s'adapte au talon de tout le monde. Donc voilà. Donc, tu retires cette partie-là et tu t'imagines que c'est celle-là. Bienvenue dans la vie de designeuse. Et ce seront les chaussettes Géranium à retrouver sur le week-end du Knit It, donc à retrouver sur le stand de Virginie. Donc j'y suis presque. Mais je suis large. Je suis large, je suis large. Hop, excusez-moi, je range en même temps. Donc c'est tout sur les projets en cours. Moi, ouais, j'ai tout montré. J'ai plein de trucs à vous dire encore. Personne ne bouge. Je reviens. Et en plus, j'ai même pas Théoxane pour meubler la situation. En parlant de Théoxane, ma petite Tétox, je voulais vous montrer le très beau cadeau qu'elle m'a fait pour mon anniversaire. C'est un t-shirt. Je viens de le laver et les barres passées. Un t-shirt où elle m'a brodé la molécule du bonheur en chimie pour sa sœur qui est chimiste. Donc voilà, j'en profite juste pour faire un petit coucou à ma petite sœur et la remercier parce que ce cadeau m'a fait énormément plaisir. Voilà, voilà. Merci Titoux. Et je voulais aussi remercier le fil d'ambre qui, quand elle est passée sur Grenoble, a déposé un petit cadeau pour moi à l'ANAE
Et voilà, je voulais vous les montrer. Il s'agit d'une laine à chaussettes de Solène by Clo. Regardez-moi cette beauté. Très, très, très beau. Et d'un écheveau également de Christelle Tricote, que je n'ai jamais encore tricoté ces laines. Donc en plus, elles vont trop bien ensemble. Je ne sais pas encore si je vais les mettre ensemble ou pas. Celle-là, je pense que ça va finir dans des chaussettes tellement j'adore. Donc voilà, je voulais énormément te remercier. Ça me touche beaucoup. Il fallait pas. Mais elles sont trop trop belles. Hop là. Ensuite, j'ai également eu pour mon anniversaire la beauté que tu vois depuis le début du podcast. Qui va trop bien en plus avec mon pull. Ah ! On va faire la photo. T'es prête ? Si tu veux prendre en photo pour. Enfin, me prendre en photo pour. Poster sur les réseaux, je vais sourire connement pendant 3 bonnes secondes. Alors attends, je remets mes cheveux. Parce qu'en plus, c'est un parfait match. Et tu vas pouvoir prendre la photo bientôt. 3, 2, 1. Voilà. C'est bon? Et donc, voilà. C'est le cadeau de ma maman pour mon anniversaire. Qui est le Honey Bucket Bag. Et je vous en avais parlé parce que je fais le mien aussi qui est loin, en hibernation comme on dit. Et donc il s'agit du Honey Bucket Bag tricoté par maman de Petite Knit en rose. Où elle a mis également mon Liberty Pref de Pref dedans. Trop trop beau. Et une petite étiquette à tomber. Donc, c'est écrit « My sweet mother made... » Attends, j'arrive pas à dire en anglais. « Made this with help from Petite Knit. » Donc, en gros, ma maman chérie m'a fait ça grâce à l'aide de Petite Knit. Donc, trop mignon. Merci, mamounette. Il est vraiment trop, trop beau. Donc, voilà. Je vous parle de ce qu'il y a dedans juste après. L'anniversaire de Lanaï, c'est Elle a fait venir des laines et des teinturiers spécialement. Non, de façon spéciale pour le week-end. Et j'ai acheté 2 écheveaux de El Robledal de la Santa. Robledal de la Santa. Qu'on va pouvoir retrouver au Knit It. Donc j'ai acheté ces 2 très très beaux écheveaux. Donc c'est de la fine soc, donc c'est du mérino extra fin et du nylon. Coloris Favorite Crime, hop, je vous les montre de l'autre côté si vous voulez. En me disant que j'allais les utiliser. Attends, on va le mettre du bon côté. Hop, là. En me disant que j'allais les utiliser pour le nouveau Mystérical de Steven West. Sachant que j'avais déjà un écheveau comme ça, donc de 50 g de soquier de coupe knit en coloris xénon, donc rose fluo, en me disant que là, ça serait pas mal. Sachant qu'il faut savoir que mon Mystérical de l'année dernière était beaucoup trop neutre pour moi. D'ailleurs, je vais l'offrir à ma mamie parce que c'est trop neutre pour moi et que moi, je veux que... Et donc j'avais ça et j'ai appelé maman à la rescousse. Maman avait le deuxième vu qu'il faut 100 grammes, 200 grammes et 200 grammes d'une autre couleur. Donc maman m'a gentiment donné son deuxième soquier. Donc ça me faisait couleur 1, couleur 3 et il m'en manquait 200 grammes pour aller avec. Et donc... Maintenant, il faut savoir que la boutique de maman a une hotline, c'est-à-dire que tu l'appelles en FaceTime, elle te montre ce qu'il y a dans ta boutique. Donc, j'ai pu récupérer des trucs de la boutique de maman. Donc, j'ai récupéré 2 écheveaux de Hedgehog Fiber, de la Sock Yarn aussi, coloris Wish. Et donc, voilà. C'est mon combo pour le Mystérical de Steven West 2022. Donc, je vais te mettre juste 3 couleurs à côté. Voilà. Ça va être trop canon.
En vrai, regarde. Donc, je suis prête. Mystérical, je suis prête. Faut encore que je fasse ma belle photo de mes échevaux de départ. Mais c'est parti. Donc, je suis trop trop contente. Je dois vous montrer également, j'ai acheté trois pelotes chez Lanaé de Merino 120, coloris kaki, regarde comme ça, pour refaire un gilet pour la petite Chloé. Ma mère avait fait un gilet noisette de longue avec Anna, taille 3 mois. La chounette, elle va avoir 7 mois. Non, ouais, 7 mois. Comment dire que elle porte encore son gilet de 3 mois, tellement les parents adorent ce gilet-là. Donc je suis allée acheter de la laine pour leur refaire le gilet, mais la bonne taille pour la petite. Parce qu'en fait, voilà, exactement. Et elle met le gilet alors que la manche arrive là, mais elles aiment trop le gilet. Donc je vais lui refaire un gilet kaki noisette. Donc c'est celui avec les petites bouboules. Donc ça, c'est prévu. Je voulais vous montrer aussi, oui, une acquisition que j'ai faite chez Lanaé. Moi, j'utilise que des aiguilles fixes et elle vient recevoir des pochettes, ou alors elle a déjà reçu, mais je l'ai jamais vue, des pochettes de Knit Pro, super super belles. Hop, où on super, ils sont là. Où on peut ranger toutes nos aiguilles fixes dedans. Donc moi, en fait, j'ai décidé que dans la partie extérieure, c'était mes aiguilles fixes avec des longs câbles. Et dans la partie intérieure, c'était celle pour faire les manches. Et donc ça, il me semble que ça coûte 20 balles. En tout cas, moins de 30 balles, c'est sûr. Moins de 30 euros. Et je louchais toutes celles qui font de la couture, des trucs faits main et tout. Ouais, je louchais évidemment, ça donne envie parce que j'avais le temps de ranger mes aiguilles. Mais j'avais pas, voilà, c'est autour de 80 euros, je crois, les trucs qui sont faits à la main. Ce que je comprends, hein, mais j'avais clairement pas le budget et j'étais super contente d'avoir trouvé ces pochettes-là que je trouve magnifiques parce que moi je fais un peu d'aquarelle et voilà, c'est un tissu d'aquarelle. Donc je trouve ça trop trop beau. Attends, je te le remontre en entier. En plus, c'est les couleurs portugaises comme les carreaux de ciment portugais que j'adore. Regarde, c'est trop beau. Bref, c'était la trouvaille géniale. Et en plus, elle est dure. Donc tu peux pas abîmer tes aiguilles. Donc moi, je voulais vous montrer ça parce que franchement, c'est un achat hyper utile et que j'adore. Je voulais aussi vous montrer, j'ai pas mis le bonnet, le pompon, mais je voulais vous montrer un bonnet. Mon copain Mathieu m'a gentiment offert un bonnet pour mon anniversaire. Hop, je vais le mettre là. Et il faut encore que je mette le pompon. Donc c'est un très très beau bonnet à base de torsade et tout ça. Mon copain, il me connaît bien, hein, t'as vu, que des couleurs neutres. Et le test est lancé pour ce bonnet-là. Et je me suis inscrite sur le test. Donc hier, je suis allée chez Lanaé pour acheter de la laine. Et moi, j'ai décidé que je ferais ce bonnet pour... Oh, elle est encore tombée. Je ferais ce bonnet pour ma petite filleule Mélusine. Oui, en ce moment, je fais beaucoup de trucs roses. Et donc, je suis allée chercher de la laine hier. Il est recommandé de prendre la Merino 120 de langue et la lace de langue. Mais comme la maman passe beaucoup de trucs à la machine à laver, moi j'ai décidé de prendre la langue, c'est la Atlantis, donc c'est celle avec de la laine et de l'acrylique pour pouvoir la passer à la machine à laver. Donc j'ai pris deux pelotes de rose. On est très rose quand même, hein. J'ai pris deux pelotes de rose. J'ai pris, ça c'est le reste de mon Love Note. Bah ouais, voilà. C'est le reste de ce pull-là. Donc je me suis dit que peut-être que ça passe, sinon je rachèterais une pelote. Et voilà, je fais un bonnet pour une petite fille, donc il doit être rose. Mais le must du must, c'est rose à paillettes, on est d'accord. Donc j'ai acheté des paillettes. J'ai acheté un cône de Katia Concept. Et c'est de la viscose.
Donc normalement ça ne va pas du tout gratter la choupette au niveau des oreilles. Faut encore que j'essaye, mais normalement voilà, c'est très très doux, ça ne grattera pas. Parce que le flip, c'est que si tu, même si tu fais un truc beau, si les enfants trouvent que ça gratte, les enfants ne le porteront pas. Donc je dois faire un bonnet. Tu vois là, et non, ça va vraiment briller. Un bonnet rose à paillettes. Le même que celui-là. Et j'ai pas encore regardé, donc pour mon pompon, moi j'ai ce qu'il me faut que je le mette. Et faut aussi que je regarde pour le pompon de la choupette. Je me dis qu'un pompon rose, ça fera peut-être un peu trop. Donc voilà, donc ça c'est un test qu'il faut que je commence bientôt. Parce que monsieur le designer Mathieu m'a donné la deadline, mais évidemment, j'ai oublié. Et ben on est bon. On a fait le tour. Il est quand même super beau. Hein. Regarde. Donc j'ai vraiment très très hâte de le tester. Et j'ai eu des très très beaux cadeaux pour mon anniversaire. Voilà. La prochaine fois que je vous vois, c'est dans le nouvel appartement. Je pense que ça sera pas avant milieu octobre. Et dans tous les cas, donc on se voit au Nitit. Pour ceux et celles qui viennent, je suis trop contente de vous voir au Nitit. Et il faut savoir que je pense que je ferai un vlog au Nitit. Donc ceux qui ne viennent pas à la fin du week-end, début de la semaine d'après, je posterai le vlog du Nitit et ça va être très très sympa. Et ça commence déjà très très bien parce que je pars avec mes copains de Grenoble, du tricot. Donc déjà là dans la voiture, ça va être grosse grosse ambiance. Et après, je reste les deux journées sur le stand de Virginie. Donc venez nous faire un coucou, ça va être trop trop bien. J'y rejoins aussi ma maman et tout, donc c'est trop bien. En vrai, ça va être un week-end de folie. Je pense que ça va être des folies au niveau des achats du tricot aussi. On va pas se mentir. On va se lâcher parce que ça fait du bien et qu'il faut profiter. Voilà. Je vais vous laisser là. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je suis super contente d'avoir pu tourner. J'avoue que j'avais l'impression d'être un petit peu speed. Voilà, je suis comme ça. Il faut savoir que en ce moment j'ai trop de mal à dormir et ma maman me dit toujours « Ah, Lissandre, quand tu dors pas bien, le lendemain, t'es speed. » Donc voilà, hey, bienvenue chez moi, je suis speed. J'espère que ça vous aura plu. Je vais mettre normalement peut-être avant ou après, je sais pas. Il y aura les petites vidéos de mes vacances, les vidéos que j'ai tournées pendant l'anniversaire de la Naïe. Et voilà. Je vous dis à bientôt dans le prochain appartement ou au Nitit ou dans le blog du Nitit. Et puis voilà. Laissez-moi un petit commentaire si vous avez apprécié la vidéo. Un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et la petite photo sur Insta, ça serait le must du must. Allez, bon week-end et à bientôt !